Nous sommes à Erstein, dans un atelier un petit peu frisqué. On va partir à la rencontre de Lucien Hans. Lucien est un entrepreneur qui a lancé il y a quelques mois une activité de recyclage de polystyrène. Ça s'appelle Circo Environnement, on est chez lui. Bonjour Lucien. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est quoi Circo Environnement? À quoi ça sert? Donc Circo Environnement sert exactement à traiter le polystyrène. C'est-à-dire nous vendons des machines pour compacter le polystyrène et derrière nous avons la filière pour le recycler. Quelles sont les entreprises qui peuvent être concernées par ce recyclage de polystyrène? Toutes? Ben, je dirais presque toutes. Vous avez déjà tout ce qui est supermarché, Super U, Leclerc, tout ça, qui ont du polystyrène, tout ce qui est électroménager, tout ce qui est transporteur, tout ce qui est marée. Je prends le cas de Rungis. Tout ce qui est Darty, tout ce qui est fait de l'électroménager. Alors, ça démarre ici, donc les bacs de polystyrène, vous les connaissez tous, c'est ces gros trucs blancs qui prennent beaucoup de place. Alors, vous allez nous montrer, vous mettez ça dans ce bac, c'est ça, ça se met en marche. C'est ça. Et vous compactez, donc on prend ce genre de choses. Donc, ça vient d'où? Donc, ça vient maintenant de jardinier. Vous avez ici les pots de fleurs qui sont dedans. Donc, et après, ils ne savent pas quoi en faire. Ils l'utilisent une ou deux fois, et après, ça traîne, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, ça part en déchetterie, et c'est enfoui. Donc ça part en déchetterie, c'est brûlé, évidemment, vous laissez imaginer l'impact sur l'environnement, ce genre de choses. Et avec votre machine et votre entreprise, vous compactez ce genre de choses et ça ressort derrière en gros blocs compacts. Et après ça sort derrière en blocs compactés. Mettez en marche votre machine. Donc, le polystyrène est compacté, condensé, vous chassez les bulles d'air, c'est ça? Voilà. Et après, on charge ça en benne. En benne. Et ça part en Allemagne. Voilà, sur palette, on met ça sur palette. Vous avez une palette qui fait 350 à 400 kilos. C'est filmé et puis ça part en Allemagne. Et votre collègue allemand possède 7 usines de recyclage de polystyrène. C'est inexistant en Alsace. Vous n'avez pas trouvé de partenaire dans la région pour faire ça? Non. Je n'ai pas de partenaire en Allemagne. Les Allemands, la technologie et la volonté, ils ont quand même un petit peu d'avance sur nous. On y va, on part en Allemagne. On vous montre la suite de ce recyclage de polystyrène qui est unique dans la région. À Guernsey en Allemagne, à une soixantaine de kilomètres d'Erstein, il fait très froid. On a suivi Lucien, Circo Environnement. On est dans cette fameuse usine allemande, l'une des 7 de votre partenaire allemand, qui recycle et qui compacte également le polystyrène. Lucien, c'est ici qu'on poursuit le processus de recyclage de polystyrène. Effectivement, c'est ici qu'on recycle le polystyrène. Donc les balles que vous avez pu voir arrivent ici, sont rebroyées, partent dans des silos et puis après sont extrudées. Et ensuite, c'est recyclé et on obtient les fameuses billes, les fameuses petites billes qu'on voit à l'image. Qu'est-ce que ça devient après ce polystyrène? Donc ce polystyrène après repart dans le circuit, on en refait du plastique, on en refait des cages de télévision. Vous avez ça sur votre ordinateur ou dans votre téléphone portable, etc. Donc il y a une palette assez large d'utilisation. Combien de tonnes de polystyrène vous arrivez pour l'instant à recycler chaque mois? Combien de polystyrène vous récupérez d'entreprises alsaciennes et que vous ramenez ici à Aachen en Allemagne? Bon, actuellement, on est à 50 à 60 tonnes par mois. On a démarré il y a 3-4 mois, donc c'est un bon résultat. On devrait arriver d'ici juin à avoir 100 à 150 tonnes par mois. Alors, ce qui est plutôt intéressant pour les entreprises, c'est que vous leur rachetez le polystyrène? Oui, si on a le gisement, on rachète le polystyrène, mais compacté. Il faut qu'il soit compacté pour que le coût de transport soit moindre. C'est combien le polystyrène que vous leur rachetez? Ça varie entre 80 et 150 tonnes, entre 80 et 150 euros la tonne compactée. Alors le polystyrène, vous l'avez vu tout à l'heure, je vais vous le montrer ici à Aachen en Allemagne, on sait faire plein de choses, on le compacte, on en fait des petites billes aussi. Alors c'est super doux, on dirait de la neige. Sauf que c'est quand même une sale matière, on en a partout après sur les habits. Alors Lucien, l'avenir de Circo Environnement, ce sera quoi? Comment vous allez vous développer? Ben, on va essayer déjà de trouver beaucoup de polystyrène, vendre beaucoup de machines pour après essayer d'avoir une usine de compactage en Alsace. Donc les gens pourront ramener leur polystyrène, on va le compacter, on va l'acheminer vers ici. Lucien Hans, merci beaucoup.